Pas que j'oublie l'appareil. Ce matin, on est au pied du plus long pont en bois suspendu de la Nouvelle-Zélande. Il fait combien de mètres? Je sais pas. On sait pas. Bon, on va aller se cultiver un peu et on va aller regarder combien de mètres il fait. Ah, c'est là. Il fait 111,5 mètres. Ça y est, on est arrivé dans notre petit camping du jour. Aujourd'hui, on est à Manapouri. Et aujourd'hui, il fait très chaud. Ça, c'est cool. On va encore dormir en tente. C'est le grand luxe. Donc là, ça y est, on a quitté le sud de l'île du Sud. On a quitté la campagne de l'extrême. Et on remonte maintenant vers le nord en longeant la côte ouest de l'île du Sud. Qu'on va traverser toute une énorme chaîne de montagnes puisque toute la côte ouest de l'île du Sud est remplie de montagnes. Voilà le programme pour les prochains jours, voire prochaines semaines. La côte ouest et les montagnes. Il fait chaud. On va chercher une glace. Il fait trop chaud pour ne pas manger de glace aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend la route 94. C'est une route un peu spéciale, elle fait 110 km et c'est une impasse. Ça veut dire qu'une fois qu'on sera arrivé au bout de cette route, et bah demain, il faudra la refaire en sens inverse. Il n'y a pas d'autre route. Et pourquoi on prend cette route? Pour aller au Milford Sound. C'est un lieu vraiment très très connu en Nouvelle-Zélande. D'après certaines personnes, c'est considéré comme la 8e merveille du monde. Donc on verra ça demain, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le programme, c'est de faire cette route de 110 km qui nous emmène jusqu'au Milford Sound. Aya. Un kea. Ça s'appelle un kea ou un ki. Et à ce qu'il paraît, ça te tape avec son bec. Du coup, j'ai peur de sortir. Il est juste au pied de... Ah ! Va-t'en. Je veux sortir, moi. Il va me piquer avec son bec. J'ai pas envie de sortir de la voiture, du coup. C'est super gros. On vient de changer d'endroit pour pouvoir sortir tranquillement. Et il nous a suivis. Il attend qu'on sorte pour nous taper avec son bec. On dirait un gros... un roux cool. Et on vient d'arriver dans notre dortoir. Ce soir, on dort en dortoir au Milford Sound. Et quand on sort... Alors, il y a un couloir, ok. Mais regardez ça. C'est totalement fou. Ce camping est totalement fou. On est entouré par les falaises, mais vraiment entouré. Des falaises qui doivent faire 1000 mètres de chaque côté. Il y en a partout. Et ce matin, on va faire une croisière sur les Milford Sound. Un petit tour en bateau.
C'était un truc de fou. C'était trop beau. On a eu du soleil tout le long. Surtout, on a vu des dauphins de tout près. Et ils nageaient autour du bateau, ils sautaient et tout, c'était trop bien. On a eu les Milford Sound au soleil avec des dauphins. On a vu des otaries aussi sur les rochers. C'était vraiment trop beau. C'était cool, un truc vraiment cool qu'on a bien aimé en Nouvelle-Zélande. Les Milford Sound. C'est hyper impressionnant parce qu'on était vraiment au pied des montagnes, falaises. En vidéo, je pense qu'on se rend clairement pas compte de la hauteur du truc, mais on est entouré de montagnes qui font plus de 1000 mètres. Donc on est le 30 janvier 2017 et on finit ce mois de janvier sur une très très bonne note. Et on espère que les suivants seront tout aussi bien.